بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. دونك اليوم لا نتكلم عن ليكواسيون معادلات دان لي شابيتر دي نومبر كومبلكس لي راسين كاري دان ان ريال نيجاتيف سي اون ان ريال نيجاتيف اكزامبل موين 3 Donc, les racines carrées de ce nombre, donc moins 3 moins CI au carré, et 3 c'est racine de 3 au carré, donc égale I racine de 3 tout au carré. Donc, la racine carrée de moins 3, I racine de 3, ou moins I racine de 3. C'est-à-dire, le maintenant chez nous, maintenant I racine de 3 au carré, I racine de 3 tout au carré, i au carré c'est moins 1, moins racine de 3 au carré 3. Donc les racines carrées de moins 3 c'est i racine de 3. 9 chez moins i racine de 3 n'est pas au carré, moins i au carré il est moins 1, racine de 3 au carré moins 3. Donc moins i racine de 3 en instant racine au carré de moins 3. Donc moins 3 il y a des racines. I racine de 3 et moins I racine de 3. Donc les racines carrées d'un nombre réel négatif R égale I racine moins R et moins I racine de moins R. Donc, elle est la propriété. C'est le nombre négatif R. Donc, nous pouvons opposer le logique positif de moins R. Nous avons I racine moins R. Et moins i racine moins r. Il y a une autre salle de nombres complexes sous forme z égale a plus bi, z égale a plus bi, a ou les parties réelles ou b les parties imaginaires. Donc il y a que je prouve la racine carrée, maintenant racine carrée de z. Les autres nombres qui sont sous forme x plus y, tout au carré. Donc x plus y, c'est un racine carrée de z. Donc, nous avons le module de z. Nous avons le module de x plus y, tout au carré. Nous avons la propriété du module. Nous avons le module de x plus y, tout au carré. On modèle un nombre complexe, c'est le partie réelle au carré, plus les parties imaginaires au carré, radicaux. Donc, on a un au carré. Donc, les IMC des radicaux. Et nous avons égal x au carré, plus y au carré. Donc, on a un modèle de z chez nous, z a plus bi. Donc, les parties réelles au carré, plus les parties imaginaires au carré, radicaux. Et واحد. ثانيا عن لي بارتي ريال شنو هو زد يساوي A بلس بي اي وزد من ناحية اخرى هو لي راسين كاري دي اكس بلس اي كريك معناها نقدر نكتبو اكس بلس اي كريك تو او كاري هي زد دونك نين ديفلوبو هون لان نجيبو اكس او كاري بلس dx, y, i, maintenant des ab, plus des parties imaginaires au carré, l'hier est i au carré moins 1, donc on a y au carré. Donc les parties réelles sont chenies, x au carré, moins y au carré, ou les parties imaginaires liées dx, y, i. Donc on a de l'identification, mutabaka, moins de deux résultats. Nous avons les parties réelles liées à égale x au carré, moins y au carré. Ou les parties imaginaires liées B égale DXY. Donc, maintenant, c'est la propriété, ou c'est la propriété, Z est la propriété A au carré plus B au carré. Elle est tout X au carré
plus y au carré. Et nous avons les trois propriétés. Nous avons les valeurs. Nous avons les trois propriétés. Nous avons les valeurs de x et y. Exemple. En donné z égale d plus 3i. Donc a on d ou b on 3. Donc nous allons chercher les racines carrées de z liées au x plus y tout au carré. عندنا البريم بروبريتي شو تقولنا؟ تقولنا لي بارتي ريال اللي هو A إيكال X أو كاري مو Y أو كاري دونك عندنا X أو كاري مو Y أو كاري يساوي لي بارتي ريال دي Z اللي هو D و لي بارتي إيماجينير اللي هي B إيكال دي إكس Y معناتها عندنا دي إكس Y معناها إكس فاي Y إيكال لي بارتي إيماجينير اللي هي 3. وعندنا عن x او كاري جايتنا من الموديل بليس y او كاري هاي الارك ايقال لي بارتي ريال اللي هي a او كاري اللي هي دي او كاري اللي هي 4 بليس لي بارتي ايماجينير اللي هي b او كاري اللي هي 3 او كاري اللي هي 9 دونك ريجينا هون 13 دونك من هاو لي دي فالير هاي الاكسبسيون وهاي الاكسبسيون اللي نجمعهم ان بليس دي اش لا يعطوني هذا امبليك يؤدي اللي نجمع البريمير رياسيون دوزيام رياسيون لي جين دي اكس او كاري ايغال دي بليس راسين دي 13 racine de 13 ها معناها ان x او كاري ايكال دي بليس راسين دي 13 سير دي ها معناها ان x ها معناها ان x ايكال بليس والله موه راسين دي دي بليس راسين دي 13 ذا كامل ايدي اولين نقول هاي بريمير ريلاسيون وهاي ديزيم ريلاسيون عندي هون ها بريمير ريلاسيون ديزيم ريلاسيون اولين نقول ديزيم ريلاسيون موين بريمير ريلاسيون شنو نجبر؟ دي تمشي اكس او كاري مع اكس او كاري، دونك تبقى لي دي دي زي كريك او كاري ايكال راسين دي 13 موين دي. وهذا يؤدي ان ايكريك او كاري ايكال راسين دي 13 موين دي سير دي. هذا امبليك كذلك ان y دو بليس ولا موي راسين دي راسين دي 13 موين دي سير دي دونك جبنا لي فالي دي اكس لي فالي دي y هاي ثروازيام ريلاسيون شنو نجبرو منها جبرنا منها ان x y يال تو اود ايكال 3 دمي ها معناها شنو معناها x y دي ميم سين باسكو لي برودوي ضربهم نمبر بوزيتيف معناها ني نقبل اكس بوزيتيف يعطي تو دي غريك بوزيتيف ني نقبل واي غريك نيجاتيف اكس نيجاتيف يعطي تو دي غريك نيجاتيف دونك لي كونكلوزيون خلاصة ان اكس يعطي تو ايغال راسين دي دي بلس راسين دي 3 سير دي كامل راسين في دي بلس راسين دي 13 سير دي و تو دي اي ايغال راسين دي راسين دي 13 موين دي سير دي دونك هاي لي زوبر ليكزامبل تيتانا ما هو دقيق يقرب على نفس الطريقه نمشيو عليها بي هون دي ريزلتات جبرناهم كبار عندنا اكس دي تو زد ايغال اكس اللي هي شنو اللي تو بوزيتيف نقبلو بوزيتيف اللي هي دي بليس راسين دي 13 سير دي هاي فالير دي اكس بليس لي فالي دي غريك يعطي تو بوزيتيف بيلي عندي عن اكس فاي غريك يعطي 3 دمي معناها اكس ينتو بوزيتيف يغريك يعطي تو بوزيتيف بيلي برودوي دي نومبر
positif, soit les dénombres positifs, voilà, ou de négatifs. Donc, plus racine de 13 moins d sur d. C'est tout au carré. Donc, on a la racine au carré de z. Voilà, moi, l'idée des nombres négatifs de tout z égale moins racine de d plus racine de 13 sur d moins racine de 13 moins d à câble en des radicaux. Ok. Maintenant, les dénombres égaux, puis les moins, nous avons un facteur des djinns de signe positif. Moins 1 au carré égale 1. Donc, les troisième relation, nous avons les signes de x ou y. Nous avons les produits positifs, maintenant les dénombres des mêmes signes. Nous avons les produits négatifs, maintenant les dénombres de x ou y des signes contraires. Donc, c'est les racines carrées. Applique les trois les relations. Équation du second degré. Quels que soient les coefficients A et B et C, non nuls, les solutions de l'équation AZ au carré plus BZ plus C égale 0 sont égale z, 1, moins b, plus racine delta sur dz. Zd égale moins b, moins racine de delta sur dz. Delta égale b au carré. Donc, là, les valeurs des sigma. Là, il y a les racines carrées de delta. Maintenant, racine delta égale sigma. X au carré, non, vous z, z au carré plus 3z plus 3 égale 0. Delta égale 3 au carré 9, b au carré, moins 4 fois 3, donc égale 9. Moins 12, donc égale moins 3. Delta égale i au carré, c'est moins 1, et racine de 3 au carré égale 3. Donc z1 égale moins b, moins 3, plus racine delta, i racine de 3, sur dz, a égale 1, donc égale 2. Et z2 égale moins b, moins 3, moins racine de delta et racine de 3 sur d. Donc on a des solutions. Donc nous avons une équation de troisième degré. Équation de troisième degré, nous cherchons des solutions évidentes. On a le BD. Voilà, on a calculé FP de 1. Voilà l'image de 1 ou bien l'image de i. Donc on remplace égal 0, donc on a une solution évidente. Donc, nous admettons une solution donc, qui est factorisable. Maintenant, nous avons AZ au carré plus BZ au carré plus CZ plus D à troisième degré égale les produits de premier degré, équation de premier degré, fois une équation de deuxième degré. Donc, pour trouver les coefficients A, P et Q, on a trois méthodes. La méthode d'identification, mutabaqa les coefficients. La méthode de division euclidienne, le qasm l'euclidien, la méthode thalitha ou yabsatuhum, la méthode de table Horner. Un gros exemple. Exemple. On a l'équation suivante, bien les polynômes suivants, PZ égale z au cube moins 4 plus 8i z au carré i plus moins 16 plus
20i fois z plus 24 plus 8i. Première question. Calculer P de DI. Voilà l'image de DI. Donc P de DI égale. Et on remplace Z par DI. Donc les taux DI au cube moins 4 plus 8I DI au carré plus moins 16 plus 20I DI plus 24 plus 8i. DI au cube, 2 puissance 3, D au cube, il y a D fois D fois D, D8. Ou I au cube, il y a I au carré fois I. I au cube, I au carré fois I. I au carré, c'est moins 1. Tu veux gagner I. Donc, I au carré moins 1, moins fois moins, c'est plus. Ou 4 fois 4, D au carré 4, 4 fois 4, 16. Ou 4 fois 8, 32. I. Moins. D fois moins 16, il y a moins 32. I. Ou D fois 20, le D fois 20, 40. I fois I, c'est moins 1, donc moins 40. Plus 24. Plus 8. I. Donc, un simple fou. Moins 8i, un simple fou en 8i. 30, 32i, moins 30i. 16 plus 24 égale 40, 40 moins 40 égale 0. Donc, résultat égale 0. Donc, P de DI égale 0. Donc, DI égale 0 des polynômes. Voilà, c'est la solution de cette polynôme. La solution de cette polynôme. Donc, P de DI égale 0. Donc, le polynôme P est factorisable. Donc, il peut se former des produits d'équations de premier degré fois une équation de deuxième degré. Donc, PZ. Donc les coefficients au cube, donc z au cube coefficient égale 1, donc entre z moins solution évident lié au DI fois z au carré, parce que z fois z c'est z au cube, plus AB, non AZ, plus AZ, plus B. Donc, on a le coefficient de z au carré, c'est 1, puis il y a z fois z égale z au carré. Maintenant, on a le coefficient de z au carré plus bz plus c. Puis, on a le coefficient de z au cube égale 1. Donc, z au carré plus az plus b. Donc, on a le a ou b. On a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode d'identification. Maintenant, on développe. On sait les coefficients. Nous avons l'expression quand on a le coefficient de z au carré égale z, le coefficient de z au carré, l'expression précédente. C'est vrai. Il part elle se. Elle est barre arc. Elle est barre à câble. Nous avons le coefficient de z au carré lié à l'énergie développée. Donc, nous avons le coefficient de z au carré. Ou le coefficient de z, ou le coefficient de z, ou le nombre complexe. Les andres, ou nous les nombres complexes les n'jibrons. Il m'a dit les nombres les ma vie les nombres on les n'jibrons ma vie z. Donc, il y a une méthode. On doit y déchouer. Méthode c'est division équitien. M'a dit P de z égale z moins di fois z au carré plus ab à z plus b. Donc, il y a que n'jibrons z au carré plus ab, il y a une division pz, elle est z moins d. Il y a une méthode. Est-ce la méthode est une méthode table ordinaire? Il y a troisième degré. Maintenant, le nombre de colonnes, il y a 4 colonnes. 1, 2, 3, 4.
Donc, voilà l'expression de P de Z. Z occupe coefficient 1. Coefficient Z au carré, moins 4, moins 8i. D'accord, il est ici. Coefficient de Z, moins 16, plus 8i. Le coefficient, le nombre en complexe, il est au 24, plus 8i. Donc, en solution évident, il est au D, des i. On m'affiche. Donc, le coefficient de Z occupe le 1. 1 fois DI, DZ, il y a DI. Il y a de la somme, il y a moins 4, le partiel. Moins 8I plus DI, il y a moins 6I. Donc, il y a de la produit. Donc, DI fois moins 4, moins 6. DI fois moins 4, il y a moins 8I. Ou I fois I, il y a moins 1. Donc, les deux donnent. D fois moins 6, les i au moins 12, fois i au carré, les taux de la 12. Donc, égale 12. Additionne les deux expressions. Donc, les parties ont de moins 16 plus 12, les i au moins 4. Moins 8i plus 20i, les i plus 12i. Donc, on dit 2i fois moins 4, les i au moins 8i. Ou i fois i dit moins 1, ou d fois 12 lié 24. Donc, le djinn moins 24. Donc, les deux expressions sont. On a les deux nombres sont conjugués. On a la somme égale. On a les deux sont opposés. Sont opposés. On a 24 moins 24. 8i moins 8i. Donc, le résultat égale 0. Donc, voilà les valeurs de A et les valeurs de B. Alors, l'expression de P de Z au carré,